On connaît tous la pièce de théâtre. On a tous vu le film. Voici la Cage aux Folles version comédie musicale. Ce sont les Américains qui ont mis en chanson la pièce de Jean Poiret. Dès 1983, Broadway bruissait de cet air-là. C'est la version française et symphonique qui va être présentée à l'Opéra de Nice dans le cadre du Festival d'opérette et de comédie musicale. Il y a une chose fascinante dans la Cage aux Folles, c'est la musique. La musique, le chef d'orchestre et les musiciens qui ont répété hier, ils sont hallucinés carrément. Mais quelle musique ! La musique est encore plus belle que de toutes les comédies musicales que j'ai pu voir jusqu'à présent. La Cage aux Folles, ce sont bien sûr des talons, des perruques, des plumes et des boas. Un spectacle très coloré qui trouve encore son public. Je crois qu'il faut rechercher la vérité. La vérité dans le sentiment des acteurs, des comédiens qui vont interpréter les rôles. Et je pense que c'est, si on recherche la vérité, il n'y a pas de choses forcées et de choses vulgaires, ni de voilà. Que les inconditionnels de la pièce se rassurent. Même si elle ne figure pas initialement dans la version comédie musicale, la scène de la biscotte a bien été rajoutée dans le spectacle chanté et dansé. Les 20 et 21 septembre prochains, on entendra donc à l'opéra le fameux « J'ai cassé ma biscotte » de Zaza.